Shalom, que l'Éternel soit avec vous, que l'Éternel vous bénisse. Je suis Sacré Sacrement le Prédicateur, votre frère dans le Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Quelle connaissance dont ce texte fait allusion? C'est la connaissance de Dieu et de sa parole. Nous entendons parler de Dieu, mais nous ne connaissons pas qui est Dieu. Bien-aimés, le seul livre qui nous révèle Dieu, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. En dehors de ce livre, vous ne pourrez jamais connaître Dieu ailleurs. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à une étude approfondie de la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions étudier la Bible, les deux pages de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour comprendre réellement le message de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par le premier chapitre. Nous allons commencer par d'abord étudier la première partie, l'Ancien Testament. Et prochainement, nous allons aborder le Nouveau Testament. Donc, nous allons commencer par le chapitre 1, Introduction à l'Ancien Testament. Le but de ce chapitre ou le but de l'introduction à l'Ancien Testament sont les suivants. Je parlais des buts plutôt, les buts sont les suivants. Premièrement, donner deux raisons pour lesquelles nous devons étudier l'Ancien Testament. Deuxième raison, connaître les cinq divisions de l'Ancien Testament. Et troisièmement, commencer à reconnaître des images de Christ dans tout l'Ancien Testament. Le plan de la leçon, grand 1, mot de bienvenue à notre étude sur l'Ancien Testament. Grand 2, pourquoi étudier l'Ancien Testament? Grand 3, les cinq divisions de l'Ancien Testament. Grand 4, Christ dans chaque livre de l'Ancien Testament. Grand A, le Pentateuque. Grand B, les livres historiques. Grand 3, et au grand C, les livres poétiques et de sagesse. Grand D, les prophètes majeurs. Et grand E, les prophètes mineurs. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre étude sur l'Ancien Testament. Passons au grand point, donc mot de bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre étude de l'Ancien Testament. La Bible est un livre merveilleux. Beaucoup de gens apprécient le message qu'elle contient. On trouve plus de Bible dans le monde que tout autre livre. C'est la parole de Dieu. Elle est donc très importante. La Bible a été traduite en plus de 1200 langues. Au moins 95% des gens dans le monde possèdent une partie de la Bible dans une langue qu'ils connaissent. En étudiant la Bible, vous joignez à des milliers, des millions d'autres personnes dans l'étude du livre le plus précieux du monde. Grand 2. Pourquoi étudier l'Ancien Testament? L'Ancien Testament est accepté par plus de gens que tous les autres écrits de littérature, d'histoire, et de religion. Les juifs, les musulmans et les chrétiens ont tous leur début dans l'Ancien Testament. Toutes les catégories de personnes trouvent les réponses à leurs besoins dans la Bible. Même les plus sages s'approchent de la Bible pour la lire et l'étudier. Il y a deux raisons importantes pour lesquels nous devrions
étudier l'Ancien Testament. Première raison, Dieu n'a pas changé depuis le temps de l'Ancien Testament. Certaines personnes voient dans le Dieu de l'Ancien Testament un Dieu de colère et de jugement. En revanche, ils considèrent le Dieu du Nouveau Testament comme un Dieu d'amour. Pourtant, Moïse et d'autres personnes de l'Ancien Testament l'ont présenté comme un Dieu d'amour et de justice. Deutéronome chapitre 4, chapitre 6, Jérémie 9, 23-24. Il est le même Dieu aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Il n'a point changé. Par conséquent, nous devrions étudier l'Ancien Testament pour mieux comprendre Dieu. Deuxième raison, l'Ancien Testament nous donne l'arrière-plan dont nous avons besoin pour la compréhension du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament plus de 600 fois. Par exemple, Jean-Baptiste a dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Nous ne pouvons pleinement comprendre le sens complet de l'agneau que si nous comprenons l'Ancien Testament. Pensez à tous les personnages de l'Ancien Testament mentionnés dans le Nouveau Testament. Par exemple, prenez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. En lisant ce passage, nous ne pouvons pas savoir beaucoup sur Adam, Abel, Noé, Abraham et Moïse sans l'Ancien Testament. Une grande partie de la Nouvelle Alliance ou Testament trouve son explication dans l'Ancienne Alliance. Voilà les raisons pour les deux raisons qui doivent nous motiver à étudier l'Ancien Testament. Troisième point, les cinq divisions de l'Ancien Testament. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament. Nous pouvons les diviser en cinq groupes. Premier groupe, le Pentateuch. Deuxième groupe, les livres historiques. Troisième groupe, les livres de sagesse, les livres poétiques ou de sagesse. Quatrième groupe, les grands prophètes ou les prophètes majeurs. Et cinquième groupe, les petits prophètes ou les prophètes mineurs. Voilà les cinq parties de l'Ancien Testament. Passons au grand 4. Christ dans chaque livre de l'Ancien Testament. La Bible contient environ 66 livres. Ces livres ont été écrits par une quarantaine de personnes sur une période d'environ 1600 ans. Pourtant, la Bible est un livre unique avec une seule pensée à savoir, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Jésus a dit que les écrivains de l'Ancien Testament ont écrit sur lui. Réfléchissez au passage suivant. Jean 5, le verset 39. Jésus a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Dans Acte 10, 43, Pierre dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Dans Hébreux 10, verset 7, la Bible dit, « Dans le rouleau du livre, donc l'Ancien Testament, il est écrit à mon sujet, donc de Jésus. » L'Ancien Testament contient des prophéties bien spécifiques au sujet de Jésus-Christ. Il comporte également un grand nombre d'images et de types du Christ. Il y a des images de Christ dans chaque livre de l'Ancien Testament. Nous allons voir, premièrement, les images du Christ dans le Pentateuch. Le Pentateuch contient cinq livres. Le premier livre, la Genèse.
Deuxième, l'Exode. Troisième, Lévitique. Quatrième, Nombre. Et le dernier, Deutéronome. Et nous allons voir Christ dans chacun des livres du Pentateuque. Commençons par le livre de la Genèse. Dans la Genèse, Christ est le Créateur. Chapitre 1, le verset 1, confirmé dans Jean 1, le verset 1 à 3. La descendance de la femme, Genèse chapitre 3, le verset 15. La porte de l'arche du salut, chapitre 7, le verset 1, le verset 7 et le verset 16. Le bélier pourvu à la place d'Isaac, chapitre 22, verset 1 à 19. Joseph rejeté et vendu, puis élevé du fossé au trône, chapitre 37, 28. Chapitre 41, verset 41 à 44. Le royaume de Juda, chapitre 49, le verset 10. Dans Exode, Jésus-Christ est notre agneau pascal, chapitre 12, confirmé dans 1 Corinthiens 5, 7. Dans Lévitique, Jésus-Christ est le sacrifice pour le péché et notre souverain sacrificateur, chapitre 4, confirmé dans Hébreux 9, 11 à 14. Dans Nombre, Jésus-Christ est la colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14, verset 14. Le rocher qui donna de l'eau. Chapitre 20, verset 11. Confirmé dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Le serpent érigé dans le désert. Chapitre 21, verset 6. Confirmé dans Jean 3, 14 à 15. L'étoile de Jacob. Chapitre 24, verset 17. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est le prophète comme Moïse qui doit venir. Chapitre 18, verset 15. Confirmé dans Matthieu 21, verset 11. Luc 2, 25 à 35. Jean 1, 21. Acte 3, 32. Acte 7, 37. Deuxième groupe. Nous allons aussi voir Christ dans le deuxième groupe. Les livres historiques. Ce groupe est composé de 12 livres, de Josué à Esther. Nous allons aussi voir Christ dans ces 12 livres. Dans Josué, Christ est le chef de l'armée du Seigneur, chapitre 5, le verset 13 à 15. Dans Juges, Jésus-Christ est le juge qui nous délivre de l'oppression, chapitre 1, le verset 16. Dans Ruth, Jésus-Christ est celui qui a le droit de rachat sur nous, chapitre 3. Dans 1 et 2 Samuel, Jésus-Christ est le prophète en qui nous devons avoir confiance. 1 Samuel, chapitre 1 au chapitre 17. Le roi rejeté. 1 Samuel, chapitre 16 au chapitre 19. Dans 1 et 2 rois, Jésus-Christ est notre roi qui règne. Dans 2 chroniques, dans 1 et 2 chroniques, Jésus-Christ est également notre roi qui règne. Dans Esdras, Jésus-Christ est notre scribe fidèle, chapitre 1 au chapitre 10. Dans Néhémie, Jésus-Christ est celui qui reconstruit les murs en ruine de notre vie. Chapitre 3, chapitre 13. Dans Esther, Jésus-Christ est notre Mardoché. Chapitre 10. Troisième groupe, les livres poétiques et de sagesse. Ce groupe est composé de 5 livres. Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Nous allons aussi voir Christ, les images de Christ dans ce livre. Dans Job, Christ est notre Rédempteur qui vit éternellement. Chapitre 19, le verset 25. Dans Somme, Christ est loin, loin est le Fils de Dieu. Chapitre 2, confirmons nos actes 4, 25 à 26. Le Fils de l'homme, chapitre 8, confirmons nos Hébreux 2, 6 à 8. Le crucifié, chapitre 22, confirmons nos Matthieu 27, verset 46. Le berger de nos âmes, chapitre 23, confirmé dans Jean 10. Le roi de gloire qui vient, chapitre 24. Le règne, le roi qui règne, chapitre 72. Dans Proverbe, Jésus-Christ est notre sagesse, chapitre 4. Dans Ecclésiaste, Jésus-Christ est l'homme sage oublié, chapitre 9, 14 à 15. Et dans Cantique des Cantiques, Jésus-Christ est l'époux de l'Église, chapitre 2, le verset 16. Dernier groupe, et quatrième groupe plutôt, les grands prophètes. Nous allons voir Christ dans les grands prophètes. Alors, ce groupe aussi est composé de 5 livres. Premier livre, Ésaïe. Le deuxième, Jérémie. Troisième, Lamentation de Jérémie. Quatrième, Ézéchiel. Et le dernier, Daniel. Nous allons aussi voir Christ dans les livres des grands prophètes. Dans Ésaïe, Christ est Emmanuel, le fils de la Vierge.
chapitre 7, le verset 14, confirmé dans Matthieu 1, le verset 23. Le merveilleux conseiller, le Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, l'enfant sur lequel, l'enfant sur l'épaule de qui la domination reposera. Chapitre 9, le verset 6 à 7, confirmé dans Luc 2, le verset 11. Le messager au beau pied qui apporte la bonne nouvelle. Chapitre 50, le verset 7, Romains 10, le verset 15. Celui qui souffrit à notre place. Chapitre 53, confirmé dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22 à 25. Dans Jérémie, Jésus-Christ est l'éternel notre justice. Dans Lamentation, Christ est l'homme de douleur. Chapitre 1, le verset 12 à 18. Dans Ézéchiel, Jésus-Christ est celui qui est assis sur le trône. Chapitre 1, le verset 26. Dans Daniel, Jésus-Christ est la pierre faite, non pas des mains d'hommes. Chapitre 2, le verset 34. Le quatrième homme dans la fournaise ardente. Chapitre 3, le verset 5. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées pour régner sur toutes les nations. Chapitre 7, le verset 13 à 14, confirmé dans Matthieu 24, 30 à 31. Après chapitre 1, le verset 7. Nous allons passer au dernier groupe. Les petits prophètes ou les prophètes mineurs. Ce groupe est composé de, 12 livres, donc de Osée jusqu'à Malachie. Alors, dans le livre Osée, Christ est l'époux fidèle et celui qui guérit le rétrograde. Chapitre 1 ou chapitre 3. Dans Joël, Jésus-Christ est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Chapitre 2, le verset 28 à 32. Matthieu 3, le verset 11. Acte 2, 17 à 21. Donc, ces deux textes du Nouveau Testament nous confirment cette vérité. Dans Amos, Jésus-Christ est celui qui délivre un reste. Chapitre 3, le verset 12. Dans Abdias, Jésus-Christ est celui qui délivre sur le mont Sinaï. Au verset 7. Dans Jonas, Jésus-Christ est notre missionnaire étranger. Chapitre 3, verset 1 à 3. Celui qui a passé 3 jours et 3 nuits dans une tombe, puis est ressuscité. Chapitre 2, conformé dans Matthieu 12, verset 40. Dans Michée, Jésus-Christ est celui qui dominera éternellement sur Israël. Chapitre 1 et chapitre 5, verset 1, et conformé dans Matthieu 2, verset 6. Le prophète qui aime la justice, la miséricorde et l'humilité. Chapitre 6, verset 8, conformé dans Matthieu 23, verset 23. Dans Nahum, Christ est notre refuge au temps de troubles. Dans Habakkuk, Christ est celui qui justifie ceux qui vivent par la foi. Chapitre 2, verset 4, conformément aux Romains 1, 17, Galates 3, 11, Hébreux 10, 38. Celui qui nous enseigne à nous réjouir en Dieu, notre Sauveur, malgré les mauvaises circonstances. Chapitre 3, verset 17 à 18. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le roi d'Israël et le Seigneur juste parmi nous qui manifeste la justice jour après jour. Chapitre 3, le verset 5 et le verset 15. Dans Agée, Christ est celui que toutes les nations désirent. Chapitre 2, verset 7, Luc 2, le verset 32. Dans Zacharie, Jésus-Christ est le Seigneur et le serviteur de Dieu et la branche juste. Chapitre 3, verset 8, le roi humble qui vient sur un âne. Chapitre 9, le verset 9, confirmé dans Matthieu 21, verset 5, celui qui fut trahi pour 30 pièces d'argent. Chapitre 11, verset 12 à 13, confirmé dans Matthieu 26, 13, acte 1, 18 à 19. Celui qui fut percé et à cause de qui Jérusalem sera dans le deuil. Chapitre 12, verset 10, confirmé dans Jean 19, verset 37. Le Seigneur qui fondera le mont des Oliviers. Chapitre 14, verset 3 à 8, confirmé dans acte 1, verset 11. Dans Malachie, Christ est le soleil de justice qui se lève et qui apporte la guérison sous ses ailes. Chapitre 3, le verset 20. Voilà les images de Christ dans chaque livre de l'Ancienne Alliance. Nous sommes à la fin de notre premier chapitre et prochainement nous allons passer au deuxième chapitre, les commencements. Nous allons commencer par le livre de la Genèse. Alors que Dieu vous bénisse pour vous qui avez suivi cette étude. Je vous conseille aussi de faire part aux autres. Partagez pour que d'autres aussi soient édifiés. Soyez riches, mon béni.